Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 30e épisode aujourd'hui. Bravo, 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 bravo. Et pour fêter une deuxième chose, on fête aussi autre chose. La chaîne vient d'avoir 400 abonnés. Ah, ça avance bien, je suis super content, donc je vous remercie tous énormément. Alors, qui dit 30 abonnés, qui dit 30 abonnés, qui dit 30e épisode dit belle construction. À la fin de l'épisode 29, vous avez vu un petit timelapse qui était plutôt intéressant. Je sais pas si vous avez aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé moi sur ce timelapse en fait, c'était que c'est la première fois que je faisais un timelapse avec des shaders. Donc c'est une première. Je coupe quelque chose pour éviter que ça lague un peu, désolé. Donc ouais, c'est une première au niveau de que j'ai testé et je trouve que ça rend bien. J'ai eu de bons retours de votre part, donc je suis très content. Et donc, bah écoutez, je vous propose une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo où je vous montre la construction entière. Vous êtes prêts? C'est parti! Et voilà. Alors, allons la voir en grandeur nature, on va dire, en plus de détails. Enfin, je peux sortir. Alors, attendez, je mange un peu. Voilà. Enfin, je peux sortir et je peux vous montrer ça. Alors, je vous montre ça vraiment dans toute sa splendeur, on va dire. Alors, le serpent commence ici. Donc, pour info. Parce que je vous dis toujours tout, hein. Le serpent, je l'ai buildé sans aucun modèle. Un soir, j'ai dit, allez, je commence. Et hop, j'ai posé là, j'ai posé là, j'ai posé là. Et j'ai fait toute cette partie. Je ne vous raconte pas le nombre de laine que j'ai dû avoir besoin. Surtout qu'au début, tout était rempli. Après, je me suis dit, ouais, hein. Ça coûte quand même cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser le serpent et je ne vais pas mettre de laine à l'intérieur. Bon, des fois il y a deux trois couches, hein, j'ai pas fait dans le détail, hein. Donc j'ai tout buildé entièrement. Par contre, je tiens à vous dire un truc, la tête ce n'est pas de moi. Je l'ai repris d'un build d'une vidéo que j'ai vue, je crois, sur internet. La personne donnait à disposition sa map en fait, ça vient d'ici, ça vient de ça. Je ne sais pas le nom de la personne, c'est sur un. C'est sur des sites genre enfin Minecraft où les gens ils donnent leur map, hein, donc voilà. Donc je tiens à le préciser et c'est pour ça. Et pourquoi alors déjà? Parce que bon, déjà j'ai galéré à faire le serpent de plus en plus gros et essayer d'avoir vraiment une perspective sans avoir de répétition. Vous voyez par exemple ici là, il y a quelques blocs là, ça fait ça fait répétition. Il faut éviter en fait quand vous faites ce genre de construction de rentrer là-dedans. Après, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Hein. Par exemple, ici, là, je pense qu'il faut que je rajoute un ou deux blocs. Là, il faut que je grossisse un petit peu aussi. Voilà, il y a quelques petits ajustements à faire, de toute façon. Mais voilà. Donc, la tête, comme je vous ai dit, hein, je l'ai récupérée de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il y a un peu cette cassure. Alors là, il faut que je voie quelque chose parce que ça va pas du tout. Ici, il faut que j'arrive à faire quelque chose d'un peu mieux. Mais pour faire la tête, franchement, j'avais pas forcément le choix parce que il fallait que ça soit droit. J'aurais dû peut-être casser directement et faire directement comme ça. A voir, hein, je peux encore casser tout ça. Hein, le coude là, je pense que je vais pouvoir le virer. Mais c'est vrai que de certains endroits, par exemple, là, ça fait bien. Là aussi, regardez, comme ça. Ça va, enfin franchement, ça fait correct. Et il y a un endroit où j'adore le regarder, c'est du haut de l'arbre. Je trouve que ça fait vraiment très joli.
ici. Bon, là on voit pas la pagode. Attendez, je vais essayer de m'approcher un petit peu. On va essayer de la charger quand même. Allez, charge-toi, voilà. Vous voyez? Bon, on la charge pas longtemps, hein, mais bon. Mais voilà, donc je trouve qu'ici ça fait vraiment très bien. Après, j'ai eu une remarque d'un joueur, je sais plus qui, parce que il y a un ami qui m'a rejoint sur le serveur. Et donc, bah, je l'ai laissé regarder un peu. Et il m'a dit, ouais, ça, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Et donc, je vais appliquer son idée, remplacer la laine pour les crocs, la remplacer par du quartz. Pourquoi? Parce que grâce au quartz, en fait, on peut utiliser des escaliers, on peut utiliser des blocs pleins, mais on peut aussi utiliser des dalles. C'est quoi ça? Ah, c'est de la schiste, d'accord. Ça, et on peut utiliser des dalles, donc là, je vais faire vite fait. Je vais prendre les dalles, hop. Je vais pas en avoir besoin de beaucoup, hein. Je pense que ça suffira. Et on va regarder si on peut faire des crocs un peu mieux, parce que c'est vrai que les blocs de laine, c'est bien, sauf que ça fait un peu trop... ça fait un peu trop gros et ça fait bizarre au niveau des crocs. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux. On va essayer ça ensemble. Slash EC, je crois que je l'ai là, ma cisaille. Et après on ira ouvrir quelques petites clés. Donc on va faire juste d'un côté pour l'instant. Comme ça je garde le modèle au cas où je reviens en arrière. Donc là on peut faire ça on est d'accord. Ensuite ici on va faire un escalier comme ça. Quoique même peut-être un escalier comme ça. Ouais, là c'est pas mal. Ensuite, hop. Allez, casse. Voilà. Donc ensuite, ici on prend les blocs. On fait ça, 1, 2 et 3. Et à ce niveau-là, il faut réussir à faire quelque chose. Peut-être comme ça. Eh, ça rend quand même beaucoup mieux. Hein. Bah écoute, je vais l'appeler, hein, par son prénom. Enfin, Cucurbit, t'avais raison. Ça rend beaucoup mieux quand même. Alors après, il y a peut-être un petit truc ici à voir. Je trouve que ça fait un peu trop gros. Mais je vois pas comment je peux faire autrement. Donc, mais bon, non, c'est vrai que ça fait mieux. Bah écoutez, on va faire de l'autre côté. Hein. C'est vrai que c'est une bonne idée. Alors, la finalité. Enfin, finalité, hein. Vous voyez toute cette... merde. Attendez, je remonte. Vous voyez toute cette laine. Bon, on va la remplacer par des émeraudes. Hein. Bon, faire tout en émeraude, c'est pas possible. Hein. Il y a plus de 4000 blocs, hein, donc non. Mais je pense que petit à petit, ça va se remplir. Franchement, ça va bien se remplir. Alors après, j'ai une hésitation. Est-ce que je commence par la tête? Ce qui peut être sympa. Alors j'ai essayé déjà d'en mettre un peu partout. Et ça fait vraiment pas bien. Donc ça, quoi qu'il se passe, je ne le ferai pas. Après, est-ce que je commence par la tête? Est-ce que je... Ok, super. Ouh, je suis en forme. Hein. Hop, voilà. Est-ce que je commence par la tête? Est-ce que je commence par la queue? Je pense qu'avec la tête, ça fera peut-être mieux. Après, il faut voir si ça rend quand même bien. Ouais, donc comme j'ai dit, j'ai essayé d'en mettre un peu partout, mais ça fait vraiment très moche. Donc voilà. Non, c'est vrai que ça fait bien. La langue, je pense que je vais la remplacer par... par de la redstone. Et ce que je voulais vous montrer, parce qu'en fait à la base mon idée, au lieu de faire le petit timelapse que vous avez vu, j'avais prévu de faire une course en fait avec un joueur, d'accord. Et derrière, attendez, je fais juste un petit truc, hop, comment ça je farm mais non, pas en pleine vidéo quand même, ça se ferait pas, franchement. Donc, Et donc j'avais l'idée en fait de faire une course à l'intérieur, c'est-à-dire que tout est creux, hein. Donc en fait on devait faire une course, mais le problème c'est que l'espace est très clos, et faire passer la caméra avec le replay mode et tout, c'était pas faisable. Ça rendait moche et tout, il fallait avoir 1000-1500 pauses, c'était juste pas possible. Mais par contre je vais vous montrer à l'intérieur, alors tout est faisable en sautant. Enfin, on va le faire dans un sens, on le fera dans l'autre, je vous montrerai. Ok, donc... tout est faisable en fait sans fly, et c'est tout l'avantage de la chose, c'est que je pense que derrière, on va pouvoir s'amuser à faire peut-être une petite course, et rentrer dans la pagode, commencer à faire une course, après rentrer dans le serpent, etc. Ça peut être drôle, donc écoutez, pour l'instant il n'y a pas trop d'idées, il n'y a pas d'event qui sont prévus, mais je pense que si je fais un event sur Iparia, ce qui sera sûrement le cas, je ferai ce genre d'event parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a vraiment un... Ouais, il y a vraiment un petit truc à faire. Alors attendez. Normalement, on peut passer partout. Je vais juste vérifier. J'ai pas testé de ce sens-là par contre. Bon, j'ai pas testé de ce sens-là. Allez hop, je vous montre vite fait. Alors là, on est au-dessus de la pagode.
Et on redescend. Alors, on va le faire dans l'autre sens, ça sera mieux. Hop. Mais c'est super long, hein. Regardez-moi ça. On l'a fait avec un joueur, on n'en voyait pas la fin, quoi. Hop, allez, on descend encore. Je suis quasiment au bout de la queue, hein. Je suis pas vraiment, vraiment dessus, mais... Mais vous voyez, dans des espaces clos comme ça, faire un timelapse, c'est pas possible. Donc tant pis, c'est pas grave. Alors, hop, hop, voilà, vous voyez, les petits espaces clos comme ça. Allez, hop, on est à la fin. Je me souviens de ça. Et voilà, vous voyez. Donc là, en fait, il suffit de faire un trou, je rentre dans la pagode, et après, enfin voilà, faire un... Il y a moyen de faire quelque chose. Alors, regardez, franchement, ça rend bien. Ça peut être assez fun de le faire à plusieurs. Après, il faut pas que les gens cheat, hein. Parce que si les gens fly, il n'y a aucun intérêt. Mais bon, ça, il y a toujours des tricheurs. On l'a vu lors du premier event, malheureusement. Après, si je fais un event, je ferai peut-être un event par petit groupe. Comme ça, je peux les... pas forcément les surveiller, mais je peux... voilà, je peux plus profiter des joueurs et faire un petit délire comme ça. Et après, bah, ça fera, voilà, ça fera un classement par rapport à un temps ou un truc comme ça. Ça peut être drôle. Alors, on fait tout ça. Donc voilà, vous voyez, la finalité, j'aimerais bien, c'est de remplacer un maximum de choses comme ça par... Ah, il y a un petit trou là, il faudrait que je... comble. Est-ce que je peux le faire maintenant? Ouais, je peux. Ah non, j'ai pas de laine. Bon, tant pis. Hop. Là, normalement, on peut passer. Hein. Attendez, comment j'ai fait? Oui, ici. Voilà. Vous voyez, tout est faisable. Et donc, oui, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Donc, voilà. Une fois que je suis arrivé au bout, ce que je vais vous montrer, alors, déjà, merci pour vos retours par rapport à l'épisode 29, où je vous demandais... On n'en finira jamais. Où je vous demandais votre avis par rapport à la salle des foires. Et donc vous avez été très nombreux à me répondre et unanimement vous m'avez dit que on est sorti, que vous préfériez le four en cobblestone, pas en cobblestone pardon, en stonebrick. Et de toute façon vous avez raison parce que c'est ce que j'avais choisi, donc j'aurais pas changé d'avis. Donc nous sommes d'accord. Alors. On va aller voir cette salle, j'ai fait quelques modifications. Certains m'ont dit que les murs, ils aimaient pas les murs dans un premier temps. Donc j'ai fait quelques modifications et c'est vrai que maintenant je suis assez content du résultat. Donc je vous montre ça. Alors déjà, une chose aussi, le sol va être de la stone brick. Parce que regardez, ça fait vraiment très bien avec le four. Le plafond, je ne sais pas encore. Il faut que j'arrive à... je sais pas, j'ai de grosses hésitations, je pense au quartz, mais je sais pas si ça va vraiment bien faire et tout, franchement je ne sais pas. Par contre, alors voilà ce que je me suis amusé à faire, je me suis amusé à faire quelques petites rigoles comme ça, avec ici un petit creux. Ici je mettrais peut-être une colonne. Donc soit je fais une colonne en quartz avec vraiment les colonnes, et comme ça ce qui permet aussi de rappeler un peu les couleurs du mur, du plafond, si je mets le plafond en cobble, ça peut être intéressant. Soit, bah après faut voir, je sais pas encore. Donc... au niveau du four, hein, donc j'ai pris la stone brick, donc ça rend vraiment très bien. J'ai pas encore dépuilé ça, mais je pense qu'on le fera ensemble, soit pour le prochain épisode, parce que j'ai fait une autre construction en bas. Je pense pas que je vais vous la montrer. Je la montrerai sûrement pour le prochain épisode. Donc avec peut-être la salle des fours, ou peut-être dans un autre épisode d'après, hein. On verra. Et donc les murs, j'ai gardé la tête de creeper, bien sûr, parce que la tête de creeper, vous avez kiffé, ça c'est sûr. Et ici, j'ai fait ce petit design, et franchement, je trouve ça vraiment bien. Pourquoi? Parce que déjà, avoir fait le sol en nether brick, ça fait un petit rappel par rapport à ça. Mais je ne farme pas, je ne suis pas comme ça, hop. Ça fait un petit rappel par rapport au sol, et avec la lave, ça fait vraiment bien, franchement, j'aime beaucoup. Ici, à voir, mais j'aime bien ce petit côté ferraille et tout, je trouve ça joli. Là, j'ai mis ça au niveau des coins, là, je sais pas encore quoi faire, à voir, peut-être un petit truc assez sobre. Pas forcément faire un truc gros tape à l'œil, parce que de toute façon c'est pas ce qu'on verra vraiment. Et dans le fond, je ne sais pas non plus. Est-ce que je fais un mur de lave entier et que derrière je mets quelque chose d'autre? Je sais pas. Pour l'instant, c'est en discussion. On va dire ça comme ça. Donc ouais. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous plaît. Hein, de toute façon, déjà, ici après je vais redescendre un peu. Et on va rejoindre ici le chemin ici. Et donc tout sera fermé, hein, bien sûr. Donc là j'ai un peu d'espace, hein, je peux jouer un peu sur les profondeurs aussi, faire quelques petits trucs. À voir. Là j'ai pas encore eu énormément d'idées. Donc voilà. Autre chose que je peux vous montrer sans vous spoiler la machine, je crois. Ouais, je vais le faire. Attendez, je vais faire slash home viande. Voilà. Donc je suis dans ma salle là. Et ce que j'ai fait en plus, en fait, c'est. J'ai agrandi l'usine un petit peu.
pardon. J'ai un petit peu grandi l'usine à canne à sucre. Donc avant, il y avait 6 levels, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 levels de plus. Donc là, on est à 11 niveaux. C'est pas énorme, mais ça produit bien. Donc, comme on peut voir. Alors, attendez, je sais ne pas me tourner parce que j'aimerais pas spoil ma prochaine machine. Voilà. Et donc, voilà. Vous voyez, hop. Ici, donc là, bon, là c'est normal, j'ai tout dépensé. Bon, en fait, j'ai tout dépensé, donc vous verrez pas. Mais ça produit bien. Ça produit bien, donc on va remonter là-haut, j'ai pas envie de spoiler. Voilà. Donc voilà, alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose une petite session. Une petite session clé, je pense, déjà. On va peut-être remettre l'armure, hein, parce que ça peut être dangereux. On va faire une petite session clé. Il y a eu un give le week-end dernier, mais je n'ai participé qu'à la moitié, malheureusement. J'ai eu une déco une minute. Enfin, j'ai eu une déco et je me suis reco seulement une minute après. Donc, hashtag je rage, c'est pas grave. Donc, on va aller ouvrir les clés. Alors, nous avons 2 clés légendaires, 2 clés mythiques et 5 petites clés de vote. Et bah écoutez, attendez, je vais regarder si je peux pas faire un. Je vais refaire un autre vote, je crois que je peux. Je le fais tout de suite. Alors attendez, hop, je fais ça, ça me fera quelques petites clés en plus, hein. De toute façon il n'y en a pas 5000. Et donc oui, donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 16 décembre 2016, au cas où vous regardez ça dans très longtemps. Et la chaîne vient d'atteindre les 400 abonnés, donc très content. J'attendrai bien sûr, enfin je vais pas, parce que certains me disent « Ouais, fais la FAQ !» Non, non, non. Logiquement, une FAQ, ça se fait à peu près dans les 1000 abonnés. Je pense que je la ferai pour les 500, parce que c'est vrai que vous êtes très actifs au niveau des commentaires, et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Donc ça, je suis assez content, je vous avouerai. En parlant de ça, je change totalement de sujet, hein, mais dans la dernière vidéo, comme vous avez vu, il n'y avait pas eu de questions. Oula, c'est bon ou pas? Pardon. Il n'y avait pas eu de questions, et donc moi qui faisais une réponse, hein, dans la boîte aux lettres. Pourquoi? Bah parce que vous ne m'en avez pas posé, en fait, tout simplement. Donc je n'ai pas eu de questions. Et là il y a eu quelques questions, sauf que je ne les ai pas préparées. C'est pas grave, je ferai une petite coupure. Et donc derrière. Il m'a rien donné, non c'est bon. Et donc derrière, bah après je répondrai à ces questions. Alors, allons-y. C'est parti pour. Attendez, slash vote. On a gagné combien de clés en plus? 2 clés en plus. C'est parti pour les 7. Allez, go! On veut du diamant, de l'émeraude. Et on veut surtout pas de la dirt. Voilà. Attendez, slash. Je vais juste remonter un peu l'opacité parce que c'est vrai que c'est toujours sympa. Hop, c'est pas ça. Option, chat, opacité. Je vais remettre à 50. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Ah oh, zut. Allez. Veuillez patienter entre deux clés. Non, ils sont sérieux ou quoi? Ils ont fait un timer entre deux clés. Ah non, 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 non. Attendez, hop, on fait ça. Non, c'est bon, ça va mieux. Non, je pense qu'il y avait peut-être un bug à un moment. Et nous gagnons 5 d'XP. Donc ça, c'est nul. Hein. On est d'accord? Ouais, il n'y avait pas de... Ensuite. Un spawner à cochon. C'est nul, hein, d'accord, attendez, je recule un peu, hop, on switch un peu, des fois ça c'est un peu de mal. Allez, c'est parti. Pour l'instant, que de la daube. De la cobble, sérieux, quoi. Allez, là, quelque chose d'intéressant. Sérieux, j'ai que de la daube. La soul sand quoi, putain ça me saoule. GG bah ouais, foutez de moi Suki. Ah ah on rigole moins hein. Bon, on va ouvrir les 2 clés mythiques. Donc ouais, oh, chanceux, ouais, j'ai eu que de la merde avant. Pardon, les clés mythiques c'est ici. C'est parti. Allez.
On va rester poli. On va rester poli. Non mais pas ça, mais sérieux quoi. Mais on s'en fout, elle a quoi la pioche? Mais on s'en fout de toute façon. Oh là 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 là, sérieux quoi. Allez, on ouvre les légendaires. Quelque chose d'intéressant quoi, un petit truc. Ouais. Ouais, bon, là ça peut... Ah, oh, c'est qui est devant moi là? Bref, c'est pas grave, on veut pas... Non mais sérieux, oh là là, ça y est, vous savez. Bon, on va aller directement aller dans l'île. J'ai gagné quoi là? 4 climatiques, super. Allez, on y va pour les climatiques. Quel chanceux ce bason, arrête tes conneries. Chanceux, j'ai rien eu. Voilà, ça c'est mieux. Bon, on commence à avoir des choses intéressantes. Allez, on continue. Ouais, ça c'est bien. Des émeraudes. Voilà, là ça commence à être intéressant. Allez, maintenant je veux des beacons. Oh putain, sérieux? Sérieux quoi. J'ai vu le grade VIP. Je m'en fous, je suis VIP plus, MVP plus, bordel. Oh là là, et pour avoir ça après quoi. Bon, écoutez, on va pas se plaindre. Hop. Voilà. On va pas se plaindre. T'es VIP. T'es plus youtubeur. Ah non, non. Merde. Oh non. Oh non. Oh bon, c'est pas grave, je vais régler ça avec le fond vite fait, c'est pas grave, on va me le remettre, y'a pas de souci. Bon, et bah voilà, bon écoutez, hein, ça reste quand même rentable, hein. Y a eu de l'or, il y a eu des diamants, donc c'est cool, un petit spawner, mais c'est nul. Ok, on m'a dit de décoroco, on va décoroco. Refresh, paria, ça marche. J'espère que je suis youtubeur encore. Hein, ah, c'est mieux. Donc la personne là qui m'a dit de faire ça, hein, c'est le modo plus, c'est celui qui a fait ma bannière. Bah, allez, avance. Hop, sur le water. Faut marcher. Ouf. Merci, binaire. Donc voilà, alors, donc je vous ai montré... Attendez, slash fly, désolé, j'aime pas. Donc voilà, donc je vous ai montré la petite zone ici, la petite zone ici. Je peux vous montrer aussi l'usine à cactus. Ah non, bah non, je peux pas vous montrer parce que sinon... Sinon... Attendez, je vais refaire ça. On va retirer l'opacité, voilà. Sinon, je vais vous montrer aussi l'autre construction que j'ai, mais en clair, l'usine à cactus a un peu augmenté. J'ai fait 5 étages, je crois, de haut. Donc ça avance bien, je pense que je vais l'étendre un peu en longueur maintenant parce que j'ai encore un peu de place donc, mais ça produit bien là au niveau de la... Alors on va faire un petit yes top, yes level pardon, mais ça va pas changer grand chose, vous allez voir. Ah si. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai gagné 300? Pourtant j'ai pas posé de bloc... Je sais pas, tant mieux. Écoutez, non, j'ai pas posé de bloc pourtant. Bloc d'émeraude, non. Bloc d'or. Ah, j'ai posé quelques blocs d'or dans mon usine. C'est vrai, on va regarder vite fait. Je sais pas si j'en ai encore. Ah, j'en ai encore. Bah écoutez, c'est cool. Hein. On va en remettre d'autres. Alors, les blocs de diams, ils sont toujours là. Je les ai toujours pas posés. Et je vous montre pas ce que j'ai là parce que c'est pas drôle sinon. donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là je pense pour cet épisode. Pour le prochain épisode, donc l'épisode 31, vous aurez donc de la redstone. Je vous montrerai mon système de redstone que j'ai fait, qui est sympa. Au début j'ai fait un timelapse, mais comme j'ai mis 2h30 pour le faire, je vais vous montrer juste un truc, un petit teaser pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Ah j'ai oublié, j'ai pas ouvert les abonnés. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, regardez.
Ouais, j'ai fait un peu de la merde ici, donc j'ai tout détruit, il faudrait que je le refasse. Et regardez, je n'ai plus de PNJ. Je les ai tous virés, donc je garde la construction parce qu'elle reste mignonne, hein, mais il n'y a plus de PNJ nulle part. Donc voilà. Donc j'en dis pas plus. Écoutez, on fait une toute petite pause et on ouvre le courrier des abonnés. A tout de suite. A tout de suite. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne retrouve plus. J'avais deux questions, il y en a une que je ne retrouve plus, donc je suis désolé. C'est une personne à qui j'ai dit que je répondrais en vidéo parce que je trouvais l'idée bonne. Si la personne se souvient de à qui j'ai dit ça, n'hésitez pas à remettre votre commentaire parce que je sais plus, désolé. Donc voilà, alors la question du jour est de Antonin Soulabaye. Donc désolé si je me suis un peu écorché le truc, hein. Donc la question c'est: salut Bazon, quand le Skyblock Lava sortira, est-ce que tu y joueras dessus? Si oui, est-ce que tu inviteras des personnes? Alors, très bonne question. Alors, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, le 23 décembre, Iparia donc, va sortir un deuxième Skyblock. Pourquoi? Pour gérer l'affluence de joueurs. Donc, et en fait, cette affluence va être de plus en plus grosse parce que voilà, il y a certaines choses qui vont arriver sur le serveur et qui va faire augmenter l'affluence assez fortement, voilà, j'ai du mal, hein. Il a créé donc un deuxième Skyblock, donc qui va être le Skyblock Lava, sachant que sur celui où on est actuellement, il va être renommé le Skyblock Water. Alors, refaire une série Skyblock, et juste refaire une map, etc., je sais pas, j'ai pas forcément envie, en même temps j'aimerais aussi, parce que j'aimerais bien faire d'autres choses, mais je me dis, voilà, enfin c'est... Je vais refaire les mêmes machines, je vais faire d'autres constructions, mais ça je peux le faire peut-être ailleurs ou dans d'autres séries. Donc je sais pas. Après, je suis en train de réfléchir, mais bon, c'est rien de sûr. Mais faire le Skyblock Lava en duo, alors je vous préviens tout de suite, hein, ne me demandez pas, parce que si je le fais en duo, je sais déjà avec qui. Donc, quoi qu'il se passe, il n'y a pas besoin de me le demander. Hein. Et de toute façon, c'est même pas sûr du tout, parce que bon, c'est compliqué. Bref. On va dire que peut-être que si j'y vais sur le Lava, ça serait peut-être pour faire une série en duo avec quelqu'un, voilà. Mais voilà, pour l'instant c'est pas d'actualité, c'est pas pour l'instant, je resterai sur le Lava, sur le water, je continuerai mes constructions, je continuerai la série tant que l'île le pourra. Après, si j'ai plus de construction à faire, forcément, voilà. Moment, s'il n'y a plus rien à faire, ça sert à rien de faire des vidéos, on est d'accord. Donc voilà, donc écoute, merci Antonin pour ta question. Et j'ai appuyé sur un mauvais bouton, c'est la deuxième fois quand même. Donc attends, on retire la question. Et je vais remercier un joueur qui s'appelle, il est connecté en plus je crois, MarioDS0508, qui s'est renommé Mario vs Luigi. Parce que il m'a fait gagner un peu de temps. C'est-à-dire que, vous voyez, on a plein de défis à faire. On n'en a fait aucun, d'accord? Et il y a ce défi-là. Construire une plateforme en obsidienne de 20 x 20. Et là, je me suis dit, oh là là, refaire de l'obsidienne, etc. Ça va être galère. Et cette personne m'a mis un commentaire sur une vidéo en disant, tu sais que tes farms, l'obsidienne qui sont dans tes usines, ça marche? Non. Écoutez, on va tester tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je décorerai juste après. Parce que sinon, ça va spam de partout. Ok, les gars, c'est bon. On va dans... Alors, attendez, hop, je cache. J'avais quasiment zappé que je pouvais pas. Et on va regarder si ça fonctionne. Ouh, il y a du monde. On va se mettre ici. Et avant de vous dire ciao, on fait ça. Ça a marché! Voilà. Merci à tous, en tout cas vous êtes de plus nombreux, donc je suis super content. N'hésitez pas donc à laisser votre avis soit en pouce bleu, soit en pouce rouge, soit en commentaire. On se retrouve très bientôt pour du contenu Minecraft ou Summoner's War, parce qu'en ce moment c'est ce que je fais. Je vous dis à très bientôt et ciao les gars!